Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va. Merci de demander. Comme vous avez pu le constater, la Coupe d'Afrique est revenue de manière fracassante, sans nous laisser le temps de s'acclimater. Oh là là, les deux matchs auxquels nous avons assisté hier étaient absolument exceptionnels. La Namibie s'est fait engloutir littéralement par l'Angola. Vous avez vu Mabululu, le but qu'il nous a mis? Ah là là, quel enroulé, deuxième poteau, digne de Luis Suarez, de Thierry Henry, réunis en même temps, fusionnés pour créer le Mabululu. Quelle danse il est venu nous faire après son but. Ah là là, c'est une chorégraphie que tout le monde doit apprendre. Ça y est, enfin, nous avons un Michael Jackson dans le football. C'est tout ce qui nous manquait. Voilà un vrai danseur. C'est pas comme l'autre danseur du Cameroun, du continent. Hein? Le petit là. Qu'est-ce qui lui arrive? Hein? C'est quoi son problème? Il fait quoi? Il a mal à la tête. C'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Il descend comme ça, il danse. C'est quelle danse ça? On n'a jamais vu cette danse. Hein? On n'a jamais vu ça. On dirait un fou. Et là, regarde. Le continent est sorti. Mais bon, bon parcours quand même du continent qui nous ont quand même fait vivre les montagnes russes, hein, parce que on s'est dit, ah, le continent est devenu continental, oh là 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 là. On commençait à se moquer. Mais là, vous avez au moins passé les phases de poule, vous avez montré que vous avez du caractère. Il y a encore beaucoup de choses à travailler dans votre équipe au niveau de la gestion. Et au niveau de la tactique, hein, parce que là, vous avez été un petit peu quand même noyé, hein, on ne va pas se mentir. Il y a eu 6 frappes, 0 cadré. 6 frappes, 0 cadré. 6 frappes, 0 cadré. Non, non. Un lion ne peut pas se comporter comme ça. C'est pas possible. Hein? Donc le lion maintenant. Il écoute du Burna Boy, il commence à danser, à bouger les fesses. C'est ça votre lion indomptable, hein? Le lion indomptable, dès qu'il entend du Davido, du Burna Boy, du Rema, du Wizkid, il s'assoit, il commence à danser, il dit, ouais, c'est vrai, c'est toi qui as raison. 2-0 contre le Nigeria. Non, le Cameroun, non! Fallait mettre au moins un but. Tous vos matchs étaient serrés. Tu peux pas me dire ça, hein? Donc le lion indomptable, indomptable, ça veut dire que personne ne peut le dompter. Mais maintenant, il y a des gens qui peuvent le dompter. Tu vois? Ça veut dire que le lion, il commence à vieillir. Tu vois, quand tu lui parles, il dit, moi avant là, on ne pouvait pas me dompter. Hein? Hein? Tu crois quoi? Moi, quand je marchais dans la rue, les gens, ils étaient là. Ah ouais, pardon. Tu vois, moi avant là, là-haut, j'arrivais à monter, je saute d'un coup. Mais pourquoi tu ne fais plus? Oh, laisse-moi! C'est ça, exactement ça. Le lion adorable, le lion domptable, le lion mignon. En tout cas, vous êtes des lions. C'est joli, un lion. C'est majestueux. Mais vous êtes dans la catégorie des lions mignons, des lions de compagnie. Tu vois? Le lion, tu envoies le bâton, il va chercher, il peut te le ramener. Tu dis, mais attends, mais c'est un lion ou bien? Oh là là, le Cameroun! Ben alors? On est sorti en huitième de finale. Rejoignez la Namibie sur le chemin, hein, voilà. Hein. Et comme ça, je sais que là, vous vous dites, au moins, on est parti plus loin que l'Algérie. Voilà. Ça, c'est les phrases de défaite. Défaitiste. Quelqu'un qui vient du continent, il ne peut pas parler comme ça. Parce que vous nous avez bassinés à dire que vous êtes le continent, que c'est vous les meilleurs dans toutes les catégories. Hein? Mais là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein? Moi, ce que je demande, c'est que ce soit Francis Ngannou qui soit le nouvel entraîneur des Lions Indomptables. Comme ça, les entraînements, tu vas voir les joueurs, ils vont courir, ils vont faire les efforts. Juste, tu lui mets des gants, tu le mets sur le banc de touche. Tu vas voir, tu lui mets des petits gants-boxes là, comme ça. Et puis, regarde les joueurs comme ça. N'oubliez pas, je tape les gens pour vivre. Hein? Allez! On presse, tu vas voir. Il n'y aura personne qui sera fatigué.